La pause, c'est aujourd'hui plus de 1000 émissions, plus de 30 animateurs et chroniqueurs, plus de 50 rubriques, plus de 500 000 messages WhatsApp. Voici 4 ans que vous prenez votre pause avec nous. 4 ans d'émotion, 4 ans de joie et de peine, 4 ans de foi, 4 ans de défi. Grâce à vous, nous avons passé le cap de la 4e année et nous vous disons merci pour la confiance et l'amour. La pause émission à 4 ans. Effectivement, la pause émission à 4 ans. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 17 août 2023. La pause revient après 3 jours où Divac a pris la place de votre émission. La pause, on est là pour vous, pour votre plaisir. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup de choses à vous offrir dans cette émission. Des invités qui sont là, tout mignons, avec des informations qu'il vous faut absolument avoir. Et les chroniqueurs également sont dans cette émission avec vous, sans oublier notre seul menteur ambulant. Bonjour tout le monde. Bonjour Ruth. J'espère que vous allez bien. Ça va bien. Ah ben, 3 jours de Divac, comment est-ce qu'on se sent? On est revenu dans la pause. Tu sais, déjà, tu l'as dit. Je dis bonjour à ma très chère Miss Eve. Bonjour Ruth, comment tu vas? Je vais super bien. C'est vrai que la fatigue est au rendez-vous. Mais on ne lâche pas, on garde le cap jusqu'à ce que la semaine ne se termine. Ouais. On est là dans l'émission La Pause, tu l'as dit. Les gens ont fait quand moi-même, je savais que ça allait sortir. On est là aujourd'hui, on a beaucoup de plateaux invités, ouais. Beaucoup de surprises pour nos chers téléspectateurs. Restez câblés sur la télévision nationale togolaise. N'hésitez pas à envoyer les messages sur le numéro qui s'affiche juste en bas de votre écran pour participer à cette émission avec nous. Alors, on ne peut pas continuer cette émission sans se tourner vers le seul sage menteur de la place, menteur ambulant. Yo, 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 c'est la pause de l'eau. 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 Voilà, ça va. Ça va. Voilà, ça va. Ça va. Aujourd'hui, ça va aller. Yo, 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 c'est la pause de l'eau. Hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, nous partons dans le Saint-Coran avec la sourate 17, verset 111. Assalamu alaikum. Malaikum salam. Que la paix d'Allah soit avec vous. Amen. Gloire et pureté à celui qui, de nuit ou de jour, fait voyager ses serviteurs dans les méandres du bonheur absolu. Gloire et pureté à celui qui, de nuit comme de jour, fait voyager son serviteur dans les méandres du bonheur. En outre, en mythologie éveillée, voilà. La vigilance face à nos opportunités est une vertu primordiale. La vigilance face à nos opportunités est une vertu primordiale. On va beaucoup se battre que. Mythologie lingala ou velo? Et non, vous. Ouais. La côté, oui. Alors, en mythologie lingala, on dit Komikitiza, Ezali, Libozo, Yankembo. Exactement. Qui veut dire l'humilité précède la gloire. Comment t'as pu assurer? C'est non, chez non, nous. Non, je sais dit... que tu n'es pas congolais. C'est toi qui le dis, hein, Ruth. Peut-être elle a des ambitions, des ambitions de naturalisation. Lola, qui a un prénom Lingala, qui veut dire littéralement paradis. Voilà. Ah, ouais, c'est ça. Merci beaucoup à Aroc. On va y aller tout doucement vers ce que nous dit la Bible. Qu'est-ce que la Bible nous dit aujourd'hui, ma très chère La Bible nous renvoie dans ce verset populaire, Matthieu 7, verset 7. Ah, populaire vraiment. Demandez, on vous donnera. Voilà. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Ceci pour dire à quelqu'un aujourd'hui, tu sais, il y a beaucoup de personnes qui sont lassistes. Ouais. Permettez-moi l'expression. Beaucoup de personnes qui se disent, bon, je suis là, j'ai mes diplômes. Un jour, l'oncle va m'appeler pour me dire, viens travailler dans ma boîte. Ouais. Alors que ce n'est pas toujours le cas. Donc, de là où vous êtes, peu importe votre statut social, que vous soyez, que vous ayez de grands diplômes ou pas, saisissez chaque jour les opportunités. Sachez qu'est-ce qu'il faut faire au moment T, parce qu'aujourd'hui ne reviendra pas.
Voilà, le moment ci ne reviendra pas. Et donc, il vous faut, à vous qui nous suivez actuellement, de savoir ce que vous voulez. Il faut frapper, ne laissez pas les gens venir vers vous. Allez vous-même vers les gens, vous avez des diplômes, vous cherchez un travail et vous êtes à la maison. Non, frappez toutes les portes possibles et vous allez voir qu'une porte, peut-être une fenêtre, va s'ouvrir quelque part pour vous et ce sera votre bonheur. Merci beaucoup à toi, ma très chère Miss Eve, pour vous verser. La porte vient de s'ouvrir avec des messages. La porte est grandement ouverte, ça dit salut la pause. Salut. J'espère que vous allez bien. Ça va bien. Merci beaucoup. Salut tonton et tata sur le plateau, juste pour vous souhaiter une très bonne émission. Merci. Moi, c'est Zanaga, le nom même est Zanaga. Merci à Zanaga de nous suivre. Zanaga. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ça va bien, et toi? Un big up à mon frère le monteur et à vous les filles, vous êtes très belles. Merci. Mais où est passé Océane? Elle nous manque, c'est Abdoul depuis Sokolé. Abdoul. Je réponds bien, qui répond? Non, je réponds. Océane a changé de boulot. depuis deux semaines, elle fait des milliards. Sinon, Océane, elle est derrière la caméra, elle supervise tout, ne vous inquiétez. Donc, pas. Bonjour la pause. Bonjour. Vous êtes tous et toutes beaux ce matin. Bon, merci. Dites à menteur de donner sa calebasse. Je vous aime, c'est Hervé depuis Cara. La calebasse même. C'est impossible. Il veut utiliser pour voir. Non, en fait, je pense que les gens ne m'aiment pas. Vous voulez que moi je ne mente plus ou bien vous voulez que je ne gagne plus de l'argent? Ah non, c'est la calebasse qui te permet de mentir. Ah ben oui. Donc si on enlève la calebasse, tu ne mentiras plus. Jamais. Donc si j'enlève la calebasse. Qu'est-ce que tu veux faire? Si j'enlève la calebasse, tu ne mentiras plus. On enlève le menteur. Tu, ouais, sais parce ça, que, tu sais, parce que le mensonge n'est pas un fruit de l'esprit. Oui, vous savez, bon, chacun avec son identité, chacun avec son diable. Ouais. Ah. J'écris mon histoire. Oui. Avec les mensonges. Ruth, s'il te plaît, on continue. On continue, on va lire quelques messages et puis on va poursuivre cette émission qui dit bonjour la pause. Bonjour. Comment est-ce que vous allez? Très bien. Merci beaucoup pour les conseils de ce matin à la jeunesse. Silver depuis Bamako. Merci de nous suivre depuis Bamako. Toi, tu connais tout, hein? Quand on est ici, tu dis Mbote. Je suis ambassadeur universel sur la Terre. Ambassadrice. Pardon. Bon, c'est l'émotion. Voilà, c'est l'émotion. C'est l'émotion. C'est l'émotion. Donc, garde l'émotion là un peu. Hein. On va lire les messages. On continue les messages qui disent coucou la pause. Salut. Bonne émission à vous. Merci. Bonjour la pause. Vous êtes tous mignons ce matin. Bonne émission à vous. Émile, Émilie, voilà, depuis Dabarakondi. Merci de nous suivre. La vie. Coquine. Bonne émission à vous tous. Vous êtes tous mignons sur le plateau. C'est Boris depuis Couvé. Merci. Le message qui revient, c'est que vous êtes tous beaux, vous êtes tous mignonnes, voilà. Moi, je suis beau quand même. Tu es beau? Ouais. À ta manière. Non, je suis beau. Non, tu es beau à ta manière. À ta manière. Nous, nous beaux. Bon, on est tous beaux. Voilà. Merci de nous suivre en direct sur la télévision nationale. C'est votre émission. La pause, on continue avec les rubriques. Maintenant, on va y aller avec cette rubrique-là qui nous fait découvrir les exploits du gouvernement sur notre territoire national. Le Togo, elle est là, elle sort un peu de son costume, de son rôle de la maîtresse. C'est ça. Aujourd'hui, elle est là avec nous. Toujours belle, avec l'allure d'une Miss Monkey. Avec l'allure d'une Miss Monkey, notre Miss Patricia. Je n'ai pas aimé. Miss Monkey. Non, je n'ai pas dit ça. Quand je te vois, tu ressembles à une Miss, mais tu n'es pas je Miss. Suis une Miss. Notre Miss Togo connaît son nom, quoi. Pardon, je suis Miss aussi à ma manière. Ah, pardon. On peut s'asseoir. Miss Wita. Ah. On va s'asseoir, non, on sinon s'asseoir. Avec l'allure là. On va s'asseoir. Pascaline, Patricia de la pause. J'espère que tu vas bien. Mais je vais super bien, et toi? Ah bah, je vais un bien. Un peu fatiguée, n'est-ce pas? Non, moi je ne suis pas trop fatiguée. Moi je suis très heureuse, je suis en pleine d'énergie. Je tiens le coup. N'est-ce pas? Donc on a fait que deux semaines. Que deux semaines. Que deux semaines. Les gens, on a fait six jours. Ce n'est pas quatre. Voilà. On n'a pas encore fait quatre, mais on tient le coup quand même. On tient le coup, et on est là. Qu'est-ce que tu as pour nous aujourd'hui? Tu nous emmènes où? Vous le savez, toujours à la découverte de nouvelles innovations. Mmh. Ce n'est pas le professeur, mais un télo un jour, un télo toujours. Ouh. Alors, je me fais toujours ce devoir et ce plaisir de vous apporter ces nouvelles. Ce dont je vous parle aujourd'hui, on dit c'est un fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes, en abrégé le FAEJ. De quoi est-ce qu'il s'agit concrètement? Je vous explique un petit peu. Alors, c'est un dispositif qui a été mis en place pour accompagner les jeunes dans l'obtention de financements pour la concrétisation de leurs idées de création
d'entreprise. On parle tout le temps d'entrepreneuriat. Il faut des fonds et ce n'est pas forcément évident d'en avoir. Eh bien, ce fonds-là, il est là pour vous permettre d'avoir tous les fonds nécessaires pour que vous puissiez concrétiser vos projets. Et son champ d'action est assez large. Il couvre tout le territoire national et concerne toutes les catégories de jeunes Togolais. Peu importe la couche dans laquelle vous vous trouvez, vous pouvez accéder à ce fonds-là. Ils ont deux types d'offres. Ils ont des services non financiers, mais également des offres de services financiers, non financiers. Ils ne se contentent pas uniquement d'allouer des fonds. Ils forment déjà en technique de création et de gestion de micro-entreprises. C'est bien de dire « je veux entreprendre », mais est-ce que tu sais ce que c'est qu'entreprendre? Est-ce que tu sais comment gérer une entreprise? Je suis entrepreneur, mais quand tu vois l'entrepreneur, effectivement, tu vas savoir que l'entrepreneur l'entreprend. Voilà. Quelque part, on dit entreprendre aussi, c'est une vocation. Il faut être appelé à entreprendre. On ne peut pas se lever comme ça et dire « je veux entreprendre ». Et donc, ils forment à ce que c'est que l'entrepreneuriat. Ils ont comment je vais dire ça en fait? L'appui au renforcement des capacités que vous avez. Et lorsque maintenant ils vous ont formé, qu'ils vous ont alloué des fonds, il y a un suivi et un accompagnement qui est fait. On ne vous donne pas de l'argent comme ça, on vous laisse vous débrouiller, non. Ils vous suivent tout le long en fait, de votre processus. Maintenant, on va parler des offres financières. Ils ont un fonds de garantie FAEJ, mais il y a quelque chose dont je voudrais vous parler, c'est le crédit jeune entrepreneur. Ce crédit-là, c'est vraiment une réponse en fait, face aux problèmes de financement que nous, jeunes, rencontrons. Effectivement, dans la création d'entreprises. C'est un système de prêt qui va financer à hauteur de 95% le coût total de votre projet, avec un plafond de 2,5 millions et de 6 millions pour les associations. C'est énorme, 95% pour le financement d'un projet. 95%, ce n'est pas 100%. C'est énorme. Et pour bénéficier. N'oubliez pas aussi le plafond, hein, c'est 2,5 millions. Oui, 2,5 millions. 2,500, c'est beaucoup. Il y a certaines personnes qui n'ont besoin que de 500 000 francs. Non, mais 500 000, tu vas... 500 000, tu vas loin. Avec 50 000, tu as créé une boîte qui te génère des millions. Tu peux faire des pop-corn. Il y a des personnes qui ont juste besoin d'un minime pour pouvoir commencer leur entreprise, mais ils n'en ont pas 2 millions. C'est beaucoup. Et pour les associations, le plafond va jusqu'à 6 millions. Ce fonds est dirigé par Mme Saouda Gbadamassi Mivedor, et ça cible en fait tous les entrepreneurs agricoles, les éleveurs, les artisans, les diplômés d'enseignement ou encore les associations de jeunesse. Pour accéder à cela, il faut simplement être âgé de 18 à 35 ans. Et pour toutes les autres formalités, il suffit simplement d'aller vous rendre sur le site du FAEJ et vous aurez toutes les informations nécessaires pour la création de vos entreprises. Eh bien, Togo Inno, voilà où je m'arrête aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci, Pascaline, pour ces informations. Oui, Monta. Oui, Miss F, parlant de FAEJ, c'est une direction du ministère du Développement à la base. Oui, effectivement. Et une autre direction du ministère du Développement à la base organise un concours, je vais parler de la direction de la jeunesse, organise un concours pour tous les jeunes créateurs de contenu vidéo. Daniela. Oui, il suffit de faire... oui, Daniela. Je pense que ça doit t'intéresser. Il suffit d'envoyer une vidéo qui sensibilise sur un fléau de la société. Et le thème, c'est « Jeunesse engagée pour un avenir sain ». Oui, il y a l'argent dedans parce que vous allez... Daniela demande s'il y a l'argent dedans. Il y a des trophées, il y a des enveloppes. Donc, je sensibilise tous nos jeunes créateurs, créatrices. De contenu, surtout par rapport aux stupéfiants qui gangrènent notre jeunesse, de faire des créations là-dessus. Nos jeunes TikTokers ou bien nos professionnels TikTokers, TikTokeuses, allez-y. Prenez-vous plaisir à le faire afin de sensibiliser la grande masse et aussi aider le ministère du Développement à la base à atteindre ses objectifs. À nous, l'avenir, jeunesse fort. Merci, Monteur, pour ces informations que tu viens de nous donner. J'espère que vous avez pris bonne note. C'est très intéressant, quand même, ces informations qui viennent par ici. Merci beaucoup à toi également, Miss Pascaline de Patricia de La Pause, à qui nous a quand même donné ces informations. Merci, en tout cas, de nous suivre sur la télévision nationale. On va aller avec la plage pub et on continue avec les rubriques qui restent avant de rentrer avec nos invités du jour. Ils nous ont fait confiance.
Et vous, qu'attendez-vous? Nous vous aidons à toucher en un claquement de doigts votre cible. Communiquez pour votre entreprise, vos produits et services, vos événements et votre image de marque dans la pause du lundi au vendredi de 11h30 à 12h45. Infoline plus 228 92 36 68 25. Vous êtes aux aguets, je suis certain. Vous avez demandé du show, vous en avez eu. Vous avez demandé des scoops, vous en avez eu. Vous avez demandé de la folie, yes, on vous a servi. Place à la classe et au luxe. Mesdames et messieurs, tout ce que vous kiffez et tout ce qui vous kiffe, c'est dans cette émission. On parlera de débats, de sujets, de cas de société, d'interactivité. Le kiff, c'est 1h30 d'ambiance luxueuse. Soyez au rendez-vous. Le kiff, votre téléphone devient votre télé. Jaspo Group et Evenco présentent le Village Brunch le samedi 19 août à 13h. À la Maison du Bien-être, le Village Brunch, un événement aux accents traditionnels valorisant la richesse culturelle africaine à travers mode, musique, danse et art culinaire. Au programme, groupe folklorique, défilé de mode et l'élection du roi et de la reine. Basse, Wison, 30 000 francs CFA. Zoumévi, 50 000 francs CFA. Et L'Oignon, 90 000 francs CFA, au platine. DJ Marsoul et DJ Diamonds. Animation et présentation, Célestin Akbarlin. Info et booking, plus 228 91 30 00 07. Le Village Brunch, c'est ce samedi 19 août, à partir de 13h, à la Maison du Bien-être, située 03 avenue de Pia, face Compagnie Républicaine de la Police. Donnons sur le pavé du Dijolet, tenue traditionnelle exigée. Sponsor officiel, la Maison des Mariés. Plateau, on parle d'entrepreneuriat et je fais un clin d'œil spécial à tous ces agriculteurs, tous ces éleveurs qui ont besoin d'avoir un beau temps, de la pluie en évidence pour pouvoir avoir de bonnes récoltes. Ouais. Parlons de récoltes, on a une Miss Météo qui est ici avec nous. Ruth, ouais. Quel temps il fera aujourd'hui? Bah, je vais quitter ce siège. Fais-toi plaisir. Je vais quitter ce siège pour me mettre dans la peau de la chroniqueuse plaisir. De la météo que je suis, tu vois, pour vous présenter c'est la météo. Profite. C'est mon moment. Profite. C'est le moment de célébrer. Voilà, alors je suis la Miss Météo, comme elle a dit, bien sûr, on va parler de météo, du temps qu'il va faire. Aujourd'hui, à Lomé, on s'est réveillé avec un peu de pluie, mais ne vous inquiétez pas, le temps ne sera pas trop grave chez vous si vous habitez à Lomé. Voilà. Alors, des orages isolés sont annoncés cet après-midi dans la capitale, avec passage de quelques légers nuages et pas mal d'éclaircies dans la soirée. Dans le chef-lieu de la région maritime, il pleuvra à verse cette journée et le soir, les éclaircies couvriront le ciel. Nous sommes maintenant à Atakpamé. Le temps à Atakpamé sera très orageux, accompagné d'éclairs et de tonnerres. La température va chuter un tout petit peu, mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez supporter. Nous sommes maintenant à Sokodé en journée. Le temps sera fortement orageux, annonçant la pluie prévue dans la soirée chez vous. De fortes orages couvriront la totalité du ciel de Kara aujourd'hui avec quelques éclairs. Et on va terminer les prévisions météorologiques du jour à Dapaon. Comme toujours, il fera chaud aujourd'hui chez vous malgré le temps orageux accompagné d'éclairs et de tonnerres annoncés dans la ville. Mais le soir, la température va considérablement chuter avec de superbes éclaircies dans le ciel. Et c'est ce qui met fin à la plage des météos du jour Miss Eve. Merci beaucoup, Miss Eve. J'espère quand même que vous avez pris bonne note du temps qu'il fera chez vous. Ils ont pris bonne note, mais ils ont surtout retenu que tu es très belle à l'écran. Moi, j'ai une question. Ruth, tu as parlé de Lomé. Moi, j'ai un problème spécialement avec la zone d'Angouré. Ah. Les jours où on prévoit en fait du soleil ici, il pleut chez moi. Mm-hmm.
Ou bien Agoué n'est pas dans le même. Je voulais comprendre, téléspectateurs, Agoué est dans le même. Ça dépend du niveau. Mais les opposés s'attirent. Ça dépend du niveau où tu es, Agoué. C'est peut-être le niveau où il y a beaucoup de mensonges. Les gens vont savoir que je suis dans le bas-fond. Voilà. C'est tout pour les prévisions. On va lire quelques messages. Et on va lire avec quelques messages. Il y a beaucoup de messages qui viennent. Merci à tous nos téléspectateurs qui nous suivent. Merci également à ceux qui sont sous les lives sur Facebook, également sur YouTube. Coucou la pause. Salut. Ravissante ce matin, Miss Eve. Bonne émission. À vous. Merci le message beaucoup. Est signé Bright depuis Kogan. Merci de Bright. Nous suivre. Depuis Kogan. Salut la pause. Salut. S'il vous plaît, je demande l'émission Le Kiff de Wisdom. Se passe quand, sur quelle chaîne et quelle heure? Alors, Menteur, tu veux répondre? C'est tous les vendredis hein, sur sa page Facebook, Diruiz. À partir de 20h. À partir de 20h, Diruiz avec la flûte. La coupe, oui. Et il savoure tout doucement ouais. Son rosé. Et puis vous allez suivre de bonnes informations avec lui, avec des invités pas possibles. Mm-hmm. C'est tous les vendredis, directement sur sa page. Wisdom, le kiff. Vous avez donc l'information à propos du kiff. Bonjour la pause. Bonjour. Bonne émission à vous. S'il vous plaît, le concours que Menteur en bilan vient de parler, je veux le site et le numéro. Okay. Voilà. Après, je pense qu'il va chercher. Après, il va vous donner le site et toutes les informations dont vous avez besoin. Alors, vous êtes. Ça, c'est affiché là. Voilà, c'est affiché. Merci à la réalisation qui est avec nous. Oui. Voilà, merci. 97 oui. 19 90 43 91 54 85 49. Okay. OK, merci beaucoup. Bonjour la pause. Bonjour. Alors, comment est-ce que vous allez? Très bien. Ça va bien, et toi? Bon travail, mais où est Miss Océane? On va dire ça combien de fois? Elle est derrière. Maman, on te cherche, hein? Mais bon, reste là-bas. Reste là-bas. Merci beaucoup. Alors, bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Très bien. Je suis très fière de votre émission. C'est Amé depuis Drécoa. Oui. Merci Amé. Merci Amé. Il y a un autre nom, je vais écorcher. Donc, c'est mieux que je laisse comme ça. Depuis Drécoa, Adi, Po, Pé, Mé. C'est dans le veau. C'est dans le veau. Salut la pause. Salut. Je vous adore beaucoup. En dernier message qui dit bonjour la famille. Bonjour. J'espère que vous allez bien. C'est Niwi depuis la Mauritanie. Bonne émission. Merci Niwi. Alors, Oracle, on célèbre qui et qui aujourd'hui? Alors, bonjour Eve. Bonjour Oracle. Bonjour Oracle. Aujourd'hui, jeudi, comme vous le savez déjà, en pays Eve, nous célébrons les Yawa Yawo. En pays Kabyen, nous célébrons les Sarakawa Halo et les Sarakawa Balo. Aujourd'hui, c'est justement le 17 août sur le calendrier grégorien et nous célébrons les Hyacinthes. Hyacinthe qui veut dire pierre précieuse. Et nous célébrons aujourd'hui les Saintes Claires. Voilà. Saintes Clarita. Chilalo. Osebitalo. On va faire la tradition en kabyen aujourd'hui. Tilalo! Tilalo, vite. On va faire la tradition en kabyen aujourd'hui. Tu vas descendre. Ok, pas de soucis. Mazalo. Tilalo, bonjour. Tamba, mes amis. Yo. À la fille. Même pas la résolution, Rio. Marma, Yawi, son drama kato, Yawi. Ah, son nom, Zamin. Aujourd'hui, là, ça va chauffer. Ça va chauffer, même. OK. Alors, aujourd'hui, c'est le 17 août. Nous célébrons les Hyacinthes et les Saintes Claires. Son nom, c'est symbole le 17 août. Son nom, Hyacinthe, toi, voilà, célébrer. Son nom, donc, Hyacinthe, toi, de Kazando. Ah, OK. Alors, vous êtes un individu têtu dont l'obstination est légendaire. Ah, n'gai wezi na nyu da urung bazi yo. C'est fini? Ah oui, c'est ça. Ah, okay. Alors, vous vous tenez souvent debout, peu importe à quel point les individus vous convainquent. Ah, bah, on peut pas dire, on va dire, on Amen. Alors, cette incapacité à changer de terrain rend difficile pour les gens de s'identifier à vous. Non, non, on va pour qu'on ait eu les gens, on peut pas dire, on va 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 dire, alors qu'on va dire, on va dire, Ah. 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 Alors, vous êtes considéré comme une personne inflexible. Amen. Amen. Ah. Ok, Bachidi, c'est inflexible. Ah, inflexible, c'est Bachidi. C'est-à-dire, on ne peut pas. Bachidi. Bachidi.
Batili. Ça veut dire Batidi. Ça dit, il est flexible comme il le dit, quoi. Non, c'est pas Abati. Alors, vous êtes quelqu'un qui aime consacrer son énergie à quelque chose de productif. Alors, vous ne poursuivez pas toujours quelque chose qui vous, ne vous ferait pas aimer les masses. Amen. Ah, okay. Alors souvent vous surmontez tout défi, toute forme de défi auquel vous êtes confronté grâce à votre détermination, votre passion et votre créativité. Hey, ça là c'est trop long. Ok, je recommence. Oui, on va aller posément. Souvent. Par où il est. Vous surmontez toute forme de défi auquel vous êtes confronté. Grâce à votre détermination. Amen. Votre passion et votre créativité. Amen. Alors, bronze et or sont vos métaux chanceux. Bronze et or. Bronze là, ouais, tu peux dire ça comme maman le dit en éveil. Quoi, genre. Non, c'est les métaux. Bon, on va capo. Dire ça en français. Bronze et or. Sont vos métaux chanceux. Vos pierres de naissance sont rubis et péridotes. Ah, par le long, le père, il y a des gens qui ont des gens qui ont des rubis et péridotes. Et péridotes. Amen. Amen. Vos numéros porte-bonheur sont le 1. Ah, mais le numéro 1 est le 5. Le 5. Le numéro 1 est le 5. Courum. Courum là, c'est 1. Ok, ok. 5. Kagwanze. 17. 17 là, comme aujourd'hui, 17 là. Ça rime bien, non? Ok. 18. Amen. 18. Et le 20. Ne, huba, nale. Nale. Amen. Alors, vos couleurs porte-bonheur sont mauve et écarlate. Ah, ça, c'est délicat. Bon, mauve qui est mélange de deux couleurs primaires, le bleu et le rouge. Donc, dans sa signification positive. Donc, ça, là, il faut parler. Il y a le rêve, la délicatesse, la paix. C'est dans mauve. Ah, c'est pas dans mauve, c'est dans mauve, c'est couleur. C'est couleur, on va prendre le menu, le ling, le. Donc, c'est un goût. T'as tu as dit. Ah, okay. Je disais, comme tu dis, les couleurs porte-bonheur, là, c'est quelle couleur. Ok, mauve et écarlate. Donc, mauve. J'ai donné la signification du mauve. Qui bon. Est la délicatesse, le rêve, la paix, la méditation ou l'amitié. C'est couleur à ma bonne ligne le ligne mauve webda, écalate webda. Bonne ligne le ligne, bonne bonbon soleil, bien de fils de Dieu. Amen. Amen. Donc, écalate qui rouge de confusion et de joie. C'est écalate ou bien? Ouais, c'est la joie. Ah, c'est écalate ou bien bonne ligne le ligne ou peut-être bonne le ligne, pour vos joies, le ligne quoi. Okay. Amen. Amen. Bonjour de chance, c'est le dimanche. Ah, mende ka kungu kugwa ni mnyu lenga ne dimanche là c'est. Kujuka. Votre fleur porte bonheur est la tournesol. Ah, bonjour vous enseignez à ce symbole fleur yo. Mende fleur kugwa ni mnyu lenga ne. Tournesol. Ah, tournesol. Amen. Ah, ok. Votre plante porte bonheur est le pavot. Mende ni kugwa ni mnyu lenga ne. Pavot. Et votre animal porte bonheur du jour. Ah ah. Mende. Pendant des années, le menu le lingo. On va laisser ici. On va le créer comme mieux. Amen. Ok, c'est la tortue. Tortue là, j'ai oublié. Tortue là, comment on appelle ça en cabiel là? Tortue. Non, il me regarde. Je sais qui c'est qui me suit. Tchaféré. Très bien. Alors, votre animal porte-bonheur, c'est Tchaféré. Ah! C'est ce qu'elle a dit. Oui, bien sûr. Tchaféré, c'est votre animal porte-bonheur. Donc, on vous souhaite un joyeux anniversaire. Alors, je profite, si vous me permettez, je peux te souhaiter un très joyeux anniversaire à mon frère direct, celui après qui je viens. Hyacinthe, c'est son jour de naissance. Okay. Joyeux anniversaire à toi. Donc, c'est son animal porte-bonheur qui est Tchaféré. Merci. Alors, attends, comment est-ce que tu as trouvé l'interprétation? Franchement parlant, bon, ça m'a un peu surpris, mais quand même, je me suis débrouillé. Et je suis sûr que les Kabyes qui me suivent, même si j'ai dit des choses, au moins j'ai 8 sur 10 quand même. Tiens, alors, question pour toi et à tous les Kabyes qui nous suivent. Et Kabyes, là, c'est de la poésie, parce que Tilalo parle seulement en mode poésie, c'est-à-dire, elle n'avance que des vers.
Comment vous... Non, Mateur, tu sais que quand on dit un mot en français, des fois dans le vernaculaire, c'est pas exactement ça. Quand je dis exactement ça, on ne peut pas dire ça littéralement comme en français. Tu es d'accord avec moi, non? Donc quand on dit la tortue court, là, comment on peut dire? Et le tchafrerine, c'est où? On a donc un client. On va lire quelques messages. On va lire quelques messages, énormément de messages qui nous parviennent ici sur le plateau de La Pause qui dit « Bonjour La Pause, comment et bonne émission à vous, c'est Ariel depuis Legbacito. Bonjour Ariel, La Pause, bonjour. J'aime trop votre émission, surtout la calebasse de mon ami. Signé bienvenue depuis la cité du port, bonne émission à vous tous, à ma femme à côté de moi, de monde après notre musicien. Ah. » Ah, et là, quel opi, en fait, comme Océane fait Zemilia. Que nous puisse devenir Bogneza. C'est lui qui répare tous les pneus. Donc, vous comprenez. Voilà, vous avez compris, hein. Chacun a chacun maintenant son rôle. Son rôle. Donc, Wisdom. Menteur. Wisdom, il fait pouce au grand. Wisdom, la bleue. Salut la famille. Salut. Bonne émission à vous, c'est Julienne depuis Adéticopé. J'aime beaucoup votre émission. Merci. La Julienne. Là-bas. Hein? Là-bas, les Julienne. Okay. Donc, tu as fait des vidéos. Deux minutes de tradition qu'on a fait avec toi là, tu as compris le cabier. Alors, on s'est dit, les Kémi font dommage. Et que Dieu protège mon Togo, s'il vous plaît, la seule langue on parle, Eve, Miado Gengbe, s'il te plaît. Miado Gengbe. Midona Gengbe. Mido Gengbe, Penenami. Gengbe, toi, Mio. Gengbe, oh, et Gengduare, oh, toi, bois. Merci beaucoup. Un message qui dit bonjour la pause. Bonjour. Vous êtes à tous mignons ce matin. Bonne émission à vous et dites à grande sœur Tila Loke, couleur en cabillet. Je n'arrive même pas à lire. Hein. C'est Toloum. Toloum. Bien. Toloum. Eh, ok. Toloum. Toloum. Okay. Elle a confirmé que oui. Ok, Toloum. C'est Toloum de la part de Manim depuis Kanikopé. Merci beaucoup. Merci Manim. Un message qui dit tout simplement belle émission à vous, Lorraine, depuis Bénidi. Un tout dernier message avant d'aller à la plage pub. Bonjour la pause. Bonjour. Vous êtes tous ravissants sur le plateau. Merci. Mardia depuis Tocoin. On va y aller maintenant. Merci, avec Mardia. La plage pub et on va installer le premier plateau invité. Ils nous ont fait confiance. Et vous, qu'attendez-vous? Nous vous aidons à toucher en un claquement du doigt votre cible. Communiquez pour votre entreprise, vos produits et services, vos événements et votre image de marque dans La Pause du lundi au vendredi de 11h30 à 12h45. Infoline plus 228 92 36 68 25. Passionné de mode, adepte du style masculin, préparez-vous à vivre un moment inoubliable à Lomé, car la Togocom Lomé Men's Fashion Week est à vos portes. Bien plus qu'un simple défilé de mode, c'est une célébration de l'élégance masculine sous toutes ses formes. Un voyage à travers les tendances les plus audacieuses. Pour cette troisième édition, nous avons rassemblé une sélection exclusive de créateurs de renom et de talents émergents. Rendez-vous donc le samedi 19 août à CFA Motors pour ne rien rater de cette grande célébration annuelle de la mode masculine au Togo. Entrée 10 000, VIP 20 000, Infoline 00228 70 48 69 82. Soyez au rendez-vous. Qui vient de s'achever. Nous sommes là avec un jeune auteur, menteur. Nous sommes avec qui aujourd'hui? Mais quand je dirais, il y a des têtes qui sont bien, mais ont des fêtes. Il okay. y a des têtes qui sont bien. Faites. Il y a des têtes qui sont bien. Faites. Titulaire d'un doctorat en littérature francophone, poète, professeur des universités canadiennes, à Iowa. Il y a des têtes qui sont bien. Faites. Deux fois lauréat des programmes du Conseil des arts du Canada, il y a des têtes qui sont bien. Faites. Auteur, il est à sa sixième production, il se nomme Anas Atakoa, que je vous demande de ovationner avant de rentrer dans le vif du sujet. La
la vie que nous menons ici. Anas Atawa, soyez les bienvenus chez nous dans la pause. Merci beaucoup, ça fait plaisir d'être là. C'est, ça fait quelques années que je ne suis plus venu dans les locaux de la TVT. J'ai été animateur d'une émission qui s'appelait L'Expression avec Gershon Dovo. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Donc ça fait. Oui, 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 oui. Avec des critiques. Oui, oui. Donc. Tonton, Gervais, vous nous suivez. Bon, que ça revienne. Oui. Alors, la vie que nous menons ici-bas, ça parle de quoi? Bon, la vie que nous menons ici, c'est un projet de poésie qui aborde la question de la géographie mobile. C'est-à-dire que ici, avec les réseaux sociaux, avec la logique numérique, ici est une notion mobile. C'est beaucoup plus cette tendance aujourd'hui qu'on peut être à Lomé et être aussi au Japon en même temps. N'est-ce pas? Donc, ici, aborde cette poétique-là, comment nous sommes à la fois partout et nulle part en même temps, et essayer de comprendre quels sont les enjeux qui viennent avec cette mobilité de l'espace, en fait. Donc, cet espace qui est devenu mobile pose aussi d'autres questions qui viennent avec la question de l'identité, comment on se définit à partir de ce moment-là, comment on se définit, comment on se perçoit par rapport aux autres, parce que dans cette mobilité-là, il y a beaucoup d'images qui circulent, et ces images-là nous forcent à nous redéfinir aussi. Donc, comment on regarde l'autre, et qu'est-ce que cet autre nous apporte dans notre définition de soi. Parce que, et c'est très important pour la jeunesse, parce que ça modifie beaucoup la perception de soi, lorsqu'on regarde les images, cette mobilité. On est ici, on est en train de regarder des images d'Alaska. On est ici, on regarde des images du Japon. On est ici, on regarde des images de New York. Et ça modifie comment on veut vivre. Et ce sont ces notions-là que j'essaie d'interroger dans la vie que nous menons ici. Merci bien. Ben, une question de curiosité. Hein. Vous vivez de l'autre côté au Canada. Oui. Et vous avez choisi d'éditer votre sixième production ici au Togo. Oui. Et avec un éditeur togolais, Audi. Pourquoi ce choix? Parce que les livres qui sont publiés en Europe et en Amérique du Nord reviennent trop chers et personne ne les achète en fait ici. C'est-à-dire qu'un livre qui est à 20 dollars, ça revient à presque 20, peut-être, je sais pas, 20 000, 12 000, 15 000. Donc ça revient très cher. Donc ce qui fait que soit on imagine publier sur place, soit on imagine des coéditions, c'est-à-dire qu'on publie là-bas, mais on met en relation un éditeur de là-bas et un éditeur local pour pouvoir refaire le livre sur place, pour que le livre revienne un peu plus abordable. Parce que c'est la question du coût du livre. Donc moi, je fais cet aller-retour, je publie des livres sur place, comme je publie ailleurs, mais j'ai à cœur les lecteurs locaux, c'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à lire les livres ici. Un livre sans lecteur n'est pas encore un livre. Ah oui. Vous êtes togolais d'origine et canadien par adoption. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à un écrivain togolais et un écrivain canadien? Sans trop faire la comparaison. Oui, bon, je crois que c'est même pas une question qui se pose, en fait. Parce que je suis un écrivain tout court. C'est que l'écrivain n'a pas toujours besoin d'une citoyenneté. Mais je suis citoyen togolais comme je suis citoyen canadien. Mais en tant qu'écrivain, je suis juste un écrivain. Bon, il n'y a pas de comparaison entre les épithètes sur l'écrivain. C'est vraiment dérisoire. C'est pour la classification de la bibliothèque, par exemple. Parce qu'un bibliothécaire a besoin de pouvoir classifier les livres pour faire des catégories. Exactement. Donc, c'est dans ce cas-là qu'on on attribue des catégorisations à l'écrivain. Mais l'écrivain en lui-même, il dépasse un peu les frontières. Donc, je suis citoyen. Dans ce cas-là, je suis citoyen togolais comme je suis citoyen canadien, mais je suis écrivain tout court. La vie que nous menons ici, est-ce une fiction ou une réalité que vous avez vécue? Non, on écrit toujours à partir d'un détail réel. Après, maintenant, on y met du travail, de la sensibilité artistique, mais tout part d'abord d'un détail réel qui peut être du présent comme qui peut être de l'histoire. Donc, un détail historique ou un détail du présent. Donc,
tout ce que j'écris, en tout cas moi personnellement, ça part d'un détail réel, de la vie réelle en fait. Et ce réel, soit j'ai envie de sublimer ce réel, ou j'ai envie juste de le dire tel qu'il me vient. Mais on part toujours d'un réel qu'on retravaille. On met maintenant sa sensibilité d'artiste et on arrive à dire les choses autrement. C'est-à-dire, comment arriver à dire que j'aime cette fille sans dire j'aime cette fille, oh là là. Par exemple. J'aime cette fille. On dit souvent la poésie, elle est féminine. J'ai envie de lire quelques extraits, mais là, je vais confier ça à la splendide Ruth pour ne pas la dire que je l'aime. Alors, OK. La vie que nous menons ici. Revenir de. Revenir est un verbe fatigant, une route irrégulière qui débouche sur un poème inachevé. Je ne sais pas revenir, mon amour. Tes yeux mouillés sont un nouveau chemin, une ligne azurée qui me prépare une cadence d'amant en partance. Je ne sais pas revenir, mon amour. Dans le grand lit fleuri où nous avons lié le bois et la terre. La grisaille a précipité mes pas, nourri mon cœur d'épices et de paysages lointains. Ruth, c'est bon, tu as la jouissance des sueurs. Au travers des mots de Ruth, j'ai voyagé. Oula. Oh. Oula. J'ai voyagé et j'aimerais passer par là pour poser une question à notre invité. Ouais. Est-ce que tout le monde peut réécrire? Parce que très souvent, de l'expérience que j'ai eue dans les livres, quand tu lis, tu as cette capacité d'être là, mais en même temps de voyager au travers des mots de la personne. Est-ce que tout le monde a cette capacité d'écrire et de faire voyager? En fait, tout le monde peut aller à l'école de l'écriture. C'est en fait ça. En Amérique du Nord, il y a des masters de création. Donc, on vous apprend à écrire. Oui. Donc, si vous avez envie, vous allez à l'école. Il y en a qui ont un talent, qui naissent avec. Oui. Mais il y en a qui peuvent travailler pour devenir écrivain. Donc, il y a des masters de formation littéraire, de création littéraire, où vous apprenez à écrire. Donc, ceux qui ont envie, bon, puisque au Togo, nous n'avons pas d'école de création littéraire, ceux qui ont envie peuvent toujours approcher les devanciers et qui leur diront, bon, voilà, comment on fait. Et il y a une transmission. Oui. Donc, on peut forcément, lorsqu'on a envie, on peut toujours travailler par la transmission, par la formation, pour devenir écrivain. Il y en a qui ont la chance d'être nés avec un talent artistique. Et les sorciers, non? Oui, bon, parce que on ne peut pas être artiste sans être sorcier, ça c'est clair. Ouais. Oui, c'est oui, parce que la sorcellerie, c'est l'intuition. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses qui vous arrivent intuitivement, qui n'arrivent pas aux autres. Donc, et le talent, c'est cela. Ce n'est pas seulement dans l'écriture, c'est aussi dans les autres domaines. Il y a des choses que vous arrivez à faire très bien en très peu de temps. Là se trouve votre talent. Donc il y en a, vous leur remettez un papier tout à l'heure, ils peuvent dessiner en une minute un très beau visage, n'est-ce pas ? Donc, ils ont un talent. Donc là, il faut encadrer, il faut mettre du travail, il faut conseiller la personne pour que la personne puisse évoluer. Voilà. Merci beaucoup. Ben, vous êtes à Lomé. Il y a un projet de formation, parlant de formation, de transmission. Je suis à Lomé, ça fait presque 3 mois, voilà. Depuis le 1er juin. Je suis en résidence d'écriture, en fait. Okay. Donc, le livre que vous avez est un résultat de cette résidence d'écriture. Wow. Donc, le livre a été peaufiné, le manuscrit a été relu, peaufiné pendant ces 3 mois de résidence. Donc, la sortie de résidence, c'est la semaine prochaine, justement, et la dédicace du livre en même temps. Donc, la résidence est possible grâce à un fonds du Canada, du Conseil des arts du Canada. Et j'ai été accueilli ici par... Le Festival international des lettres et des arts, qui s'appelle le Festilar. Ouais. Donc, Festilar 2023, j'ai été accueilli, justement, et je voudrais saluer le directeur artistique de ce festival, qui s'appelle Patron Enekou, que je salue. C'est aussi un sorcier, de toute façon. Ah oui, Patron, avec
avec le feu. Alors, merci beaucoup. La dédicace, c'est pour quand? Donc, la dédicace, c'est le jeudi prochain à 15h. Comment ça s'appelle? À Cloud 9. À Guadeloupe d'eau. Okay. Oui. Merci beaucoup et bon vent à ce nouveau ouvrage. Oui. On vous retrouve dans un peu de temps. Oui, très bien, merci beaucoup. Je voudrais dire l'excellent travail que vous faites. Merci. Et merci, félicitations à vous tous. Merci. Merci à vous. La vie que nous menons ici, Anas Attakora, un livre qu'il faut absolument que vous ayez pour pouvoir avoir un peu plus de culture, avoir un peu plus que vous avez actuellement. Et c'était notre premier plateau. On va revenir pour le second plateau juste après ceci. Il nous en fait confiance. Et vous, qu'attendez-vous? Nous vous aidons à toucher en un claquement de doigts votre cible. Communiquez pour votre entreprise, vos produits et services, vos événements et votre image de marque dans la pause du lundi au vendredi de 11h30 à 12h45. Infoline, plus 228 92 36 68 25. Village Brunch, le samedi 19 août à 13h, à la Maison du Bien-être, le Village Brunch, un événement aux accents traditionnels valorisant la richesse culturelle africaine. À travers mode, musique, danse et art culinaire, au programme groupe folklorique, défilé de mode et l'élection du roi et de la reine. Basse, Wison, 30 000 francs CFA, Zoumévi, 50 000 francs CFA. Et L'Homme Oignon, 90 000 francs CFA, au platine. Didier Marsoul et Didier Diamonds. Animation et présentation, Célestin Agparlin. Info et booking, plus 228 91 30 00 07. Le Village Brunch, c'est ce samedi 19 août, à partir de 13h, à la Maison du Bien-être, située 03 avenue de Pia, face Compagnie Républicaine de la Police. Donne-nous sur le pavé du Dijolet, tenue traditionnelle exigée. Sponsor officiel, la Maison des Mariés. Voilà, nous sommes de retour dans cette émission La Pause et comme vous l'avez remarqué, il y a Daniela qui nous a rejoint sur le plateau avec de beaux, magnifiques, charmants monsieur avec des lunettes, je ne sais pas trop pourquoi, ce qu'ils vont... Est-ce que c'est pour nous intimider? Je ne sais pas, oui, c'est pour nous séduire, on ne sait pas, on ne nous séduit pas facilement. Sinon, ça ne marche pas. Il faut faire doucement, c'est votre ancêtre, hein. On est immunisé contre la séduction, l'envoûtement. Daniela. Bonjour Ruth, bonjour Eve. Bonjour Daniela. Donc comme tu l'as dit, je ne suis pas venue, je suis avec de très élégants monsieur. Mm-hmm. Donc je vais dire ça comme ça, tu m'as ôté le mot charmant de la bouche. Oh là là. Donc ils ne sont pas venus les mains vides non plus, ils sont venus nous parler d'un événement inédit, donc au Togo, qui va arriver bientôt. Donc je suis avec Didier Marsoul, avec Patrick Maud. Evenko et M. Célestin Akparlin. Qui est juste à côté de nous. Célestin Akparlin qui n'est plus à présenter. Mm-hmm. Le grand animateur de la diaspora dans le Benelux. Vraiment. Le grand animateur dans tous les grands événements dans Paris. On ne va pas dire tous les secrets ici, mais il est là à Lomé. Oui. Et le grand producteur d'ailleurs, il a produit une artiste qu'on a reçue dans cette émission en direct au CERN, l'a appelée Célestin. Il faut prendre en charge cette fille et c'est fait aujourd'hui. Elle devient peu à peu une grande star. C'est l'essai aux Orlo. Yolo. Ça se crée au patin. Merci. Mentor a tout dit. Donc, on va aller très rapidement. Alors, j'ai besoin de savoir qu'est-ce que le Village Brunch. Donc, c'est le nom de l'événement dont vous êtes venu nous parler. Oui. Vers qui je me tourne? On va s'adresser à M. Patrick Maud. OK. Ouais. OK. Je vais vite fait me présenter. Je suis Patrick Maud. Je suis juriste fiscaliste de base et spécialisé en marketing événementiel.
et je suis créateur de, du groupe Diaspo Group avec Marsoul et DJ Kawes qui est en Belgique. Okay. Donc on a ensemble ici avec Marsoul, Cyrus et moi-même, on a créé le Village Brunch. Et pour vous expliquer tout simplement, on est venu vous dire quelle pause on doit choisir le jour-là. C'est pour ça qu'on est à la pause. Donc, le Village Brunch, c'est juste un événement traditionnel qui s'inspire de la culture togolaise. Ouais. Donc, c'est simple, vous venez, vous représentez votre origine et vous mangez. Je vais laisser Cyrus compléter tout le reste, je crois. Ok, bon. Moi, je suis Cyrus. D'abord, je suis expert en ingénierie de data et cloud. Je suis aussi fondateur de la plateforme Evenco. Qui est une plateforme digitale. Je spécialise dans tout ce qui est management, planification et billetterie digitale. Donc comme Patrick l'a mentionné, Village Brunch, c'est pour célébrer la culture togolaise d'abord, et ensuite africaine en général. Très important. Il y aura tout ce qui est art culinaire, art vestimentaire, venez représenter vos origines. Mmh. Moi-même, je suis d'origine Côte Colis. Donc, je suis du Nord. Il y aura les Agbara le jour-là. Ah, bonne cousin. Et donc, il y aura tout genre de musique et tradition, des groupes folkloriques qui seront là et présents. Et on ne va quand même pas trop rentrer tout de voile ici. Mais nous avons aussi Didier Marsoul avec nous qui sera présent ce jour-là. C'est bon. Nous avons Didier. Didier Marsoul. Pourquoi avoir accepté d'accompagner cet événement? Je vais me présenter aussi un peu. Moi, c'est Didier Marsoul. Normalement, c'est Marc. Je pourrais dire, moi, sincèrement, j'adore la musique et j'essaie aussi de montrer aux gens la musique togolaise. À part ça, je pourrais dire ce qu'on veut faire, l'événement, ce qu'on veut faire, c'est de faire, au fait, sentir les gens la musique togolaise. Et de faire connaître, faire valoir la musique togolaise. Voilà, merci. Mon français n'est plus encore update. Donc you speak Dutch? Excuse-moi. En allemand. You speak Dutch? Ah oui, kann ich Deutsch sprechen, ja? Pardon. Ah, ok, sehr gut. Non. Ma question, pourquoi est-on absolument participer à ce brunch? Oui. Monsieur Célestin? Bon, ce brunch, d'abord, c'est toute une délégation de la diaspora qui est à Lomé. Okay. Et voilà, Cyrus, il vient des États-Unis, de l'Allemagne. Bon, lui, il est en cheval entre Bruxelles et entre la Belgique et le Luxembourg. Moi, je suis en Belgique. C'est intéressant. Bon, on est venu pour se ressourcer parce que nous avons des frères et sœurs, nos enfants, nos tantes qui sont partis il y a 20 ans, il y a 15 ans. Et ils ne sont jamais revenus, ils ne savent même pas ce qu'on appelle l'IHA, ce qu'on appelle Kotomblé, tout cela, ils ne connaissent pas. Donc pour nous, l'idée c'était quoi? D'abord, c'est faire revenir ses frères et sœurs au pays pour venir se ressourcer. Okay. Et parce que parfois nos enfants reviennent ici, ils regardent une chèvre, ils courent parce qu'ils ont peur de la chèvre, c'est venir à la maison et tout voir. Et également, c'est également créer une certaine symbiose entre ceux qui sont à Lomé et nous autres, parce que parfois quand on rentre, on dit non, ce sont des benguistes. Si maintenant, on n'arrive pas à être ensemble, il n'y a pas de différence entre benguistes et ceux qui sont au bled. Il y a des gens qui sont au bled qui ont plus de moyens que ceux qui sont en Europe. Oui. Donc pour nous, on est venu pour équilibrer les choses, être ensemble. Donc pourquoi venir à cet événement? C'est venu d'abord voir ces frères qui sont revenus d'ailleurs, et nous autres aussi, connaître nos frères qui sont ici. C'est ça d'abord l'idée, c'est ça. Et puis en plus, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit essayer aujourd'hui de créer un certain partenariat entre nous qui sommes jeunes et les jeunes qui sont également à Lomé. Parce que les gens croient que c'est pour seulement une fête que nous revenons pour faire le brunch. Non, nous, c'est pour tisser également des relations avec ceux qui sont déjà là, ceux qui sont des entrepreneurs, les jeunes qui sont là, qui dansent, qui savent chanter et tout. On est revenus pour beaucoup de choses. Okay. Mais le brunch, là, c'est une plateforme pour nous de se rencontrer. Mais dans l'ambiance, il faut qu'on soit aussi intelligent. Il faut qu'on crée des choses et il faut qu'on soit posé. Donc, c'est pour cela que nous sommes revenus pour cet événement. Ok, je vais emprunter. Ah, excuse-moi. Vas-y. Je vais emprunter un de tes mots. Tu as dit c'est pour se rencontrer, pour se retrouver, essayer de créer des relations. Donc, comment est-ce qu'on fait pour y participer? Voilà. Pour participer, il y a quelqu'un qui aime trop l'argent là. Il va essayer de vous éclaircir un peu de ce côté-là. Ouais. Pour participer à l'événement. Monsieur Mondjuru Patrick. Les Belges
aime beaucoup la... Bon, la vie est belle. Bon, lui, bon, en tout cas, lui, il était venu en Belgique, il a failli mourir, la fraîcheur. Et ne dévoilez pas les secrets de notre boîte. Bon, vas-y, suis, Patrick. Ok, bon, voilà, tout le monde les conditions. L'argent. Pour participer au village, bon, c'est très simple, le ticket Waison, c'est très basique, c'est à 30 000 francs. Okay. J'entends tous les Togolais dire c'est cher, mais pour la qualité de ce qu'il y aura, okay, la qualité de prestation, de l'expérience client, parce que c'est le terme business qui est derrière, ce n'est pas cher. Donc, dans 30 000, vous avez tous les cocktails de M. Shaker, tout ce qui est Lira, okay, tous les panoplies. On connaît très bien M. Shaker. Et vous avez le buffet. Oui. Vous avez deux sortes de buffets, l'entrée principale. Il n'y aura rien d'européen, hein, je vous assure. Donc, c'est vraiment la nourriture du Togo. Okay. Donc, si tu viens du Nord, tu auras Nianto, c'est ça, Nianto. Il y aura Kodoro, il y aura Mato. Il y a tout. Wow. Donc, et on mangera, chacun mangera à sa faim. Donc, okay, c'est le but. Vous avez le dessert aussi, qui sera composé de tout ce qui est d'origine togolaise et africaine. Donc, voilà. Et après, vous avez le pack à 50 000 francs, le VIP, qui vous offre encore plus d'autres choix. Mmh. On a pensé à ces packages tout simplement parce que si tu as 30 000 déjà, tu ne vas pas te sentir lésé. Okay. Tu vas manger, tu vas être bien, comme tout le monde, comme le Togolais aime se plaindre, je suis désolé de le dire. Donc, c'est que après l'événement, que tout le monde soit content, de dire j'ai été à un brunch, le mot brunch, on va laisser de côté, et on va dire qu'on a été à un événement traditionnel d'inspiration togolaise qui nous a satisfait et qui nous a mis dans l'excellence. Mmh. Donc, c'est ce qu'on cherche au Village Brunch, et on ne va pas trop parler. Venez seulement, vous allez voir. Et voilà. Donc, vous pouvez payer par Timoni sur le site Gozem. Oui. Et vous pourrez nous contacter sur notre numéro. C'est le 91 30 0007. 91 30 0007. Je pense, ouais, que nous, on a déjà notre salon. Hein. La pause a son salon. Ah ouais. N'est-ce pas? Je crois que la pause, pour nous aider, doit payer ses tickets aussi. Vous avez dit j'aime l'argent. Donc il faudra que la pause soutienne le débat. La pause va s'imposer. On va en discuter hors antenne. Mais comme la télévision fête ses 50 ans, peut-être merci le directeur beaucoup seul aura peut-être une oula, voilà. Sauf qu'un directeur ne peut pas se déplacer seul, vous savez ça. Bon, là, en ce moment, le directeur doit payer pour les autres, tu vois. D'accord. D'accord. Il faudra aussi ajouter que il y a d'autres moyens d'obtenir le ticket. En tant que fondateur d'une plateforme qui est quand même billetterie, okay, il y a les tickets seront aussi déjà disponibles sur Gozem. Les tickets sont aussi disponibles à certains points de vente. Il y a la Maison des Mariés qui est de notre sponsor officiel pour l'événement. Mmh. Et je pense que l'Institut BK à Kégué, Wellness à Kégué aussi. Okay. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Tatiana pour les invités. On remercie M. Patrick Mood, promoteur. On remercie également Evansco, Célestin Akmarlin, présentateur. Sans oublier notre Didier Massoul. J'espère que c'est ça. Merci d'être passé dans l'émission La Pause. On se retrouve. Si tu permets, c'est juste à dire un sincère merci public à M. Akmarlin. Oui. Parce qu'il fait partie de ces rats togolais qui accueillent tous les fils du terroir qui arrivent dans l'espace Schengen pour leur montrer un peu les réseaux. Et je rappelle aussi, lors de la Coupe du Monde de Slam à Bruxelles, oui, avec les quatre délégations, M. Akmarlin a accueilli toute la délégation. Ouh. C'est grâce à lui. On était bien. Merci, M. Célestin. Merci beaucoup. Merci. Bon, on vous invite. Hein. Donc, c'est le 19. Okay, soyez 19 à l'heure. Habillez-vous bien. On veut pas voir. Soyez traditionnel. Soyez traditionnel et pas de tenue traditionnelle, pas d'entrée, peu importe si vous avez payé le prix. Wow. Ah, c'est très l'entrée bien. Est conditionnée à être en tenue traditionnelle. Et plus quand on dit traditionnel, moi je n'aime pas utiliser le jeu, c'est trop égoïste. On ne voudrait pas voir les gens en mawa. Mawa, c'est l'habitude. On veut voir la tradition, franchement. Si tu viens du Nord, tu es Moba, il faut qu'on te voie à Moba. Si tu viens de Lassa Nord, il faut qu'on te voie que tu es Kabyen. D'accord. Tout ce qu'on veut voir, on veut voir chez nous, d'où nous venons. Comme la calebasse sur la tête. Voilà. Il devrait nous l'offrir, non? Ben non, je pense bien. J'aime l'argent qu'on voit. Ok, merci. Voilà, merci d'être passé chez nous dans la pause. On se donne rendez-vous le 19. Donc, pour cet événement, l'entrée est à 30 000, à 50 000 et à 80 000. Donc, 90 000. Voilà, donc faites massivement le déplacement pour honorer notre culture togolaise. Maintenant, on va y aller avec la plage pub et on va installer le prochain plateau invité.
Diaspo Group et Evenco présentent le Village Brunch le samedi 19 août à 13h. À la Maison du Bien-être, le Village Brunch, un événement aux accents traditionnels valorisant la richesse culturelle africaine à travers mode, musique, danse et art culinaire. Au programme, groupe folklorique, défilé de mode et l'élection du roi et de la reine. Passe, Wison, 30 000 francs CFA. Zoumévi, 50 000 francs CFA. Et l'Omnion, 90 000 francs CFA. Au platine, Didier Marsoul et Didier Diamonds. Animation et présentation, Célestin Agparlin. Info et booking, plus 228 91 30 00 07. Le Village Brunch, c'est ce samedi 19 août à partir de 13h à la Maison du Bien-être située 03 avenue de Pia, face Compagnie Républicaine de la Police. Donnons sur le pavé du Dijolet. Tenue traditionnelle exigée. Sponsor officiel, la Maison des Mariés. Retour encore une fois ici sur La Pause. N'oubliez pas d'envoyer les messages sur le numéro qui s'affiche juste en bas de votre écran. On a parlé tout à l'heure du Village Brunch. On célèbre toujours la culture togolaise et on parle d'une fête à Hovezan. Menteur, qu'est-ce que c'est? Actuellement, j'ai mal. J'ai mal parce que Océane n'est pas là. Elle a entendu faire son zèle. Oui, une fête qui se passe à Hovezan. On veut parler de son village en fait. Mm-hmm. Et c'est Hovezan. Hovezan. Ça parle de la fête patrimoniale du peuple Haro. Oui. Et Haro, plus précisément Harotoui. Harotoui-vio. Oui, Harotoui-vio. Et vous savez, Harotoui-vio, ils ont eu droit à deux exodes. Après celui des Évêques à Montier. Oui. Après, à cause de notre ressource naturelle, on les a encore déplacés. Oui. Monsieur, soyez les bienvenus chez nous. Merci. Est-ce que j'ai écorché l'histoire de... Oui, pratiquement. Pratiquement, je l'ai écorché. Donc, vous, parlez-nous un peu De cette fête. De cette fête. OK, Hovezan, c'est comme le menteur vient de le dire. C'est la fête du peuple Ewe de Haoté. Mm. Comment ça a commencé? Dans les années 1990, les fils et filles de Haoté se sont retrouvés pour réfléchir un peu au développement de leur village. Ouais. Et l'idée est venue que pour booster ce développement-là, il faut que cela soit une organisation annuelle, que tous se retrouvent au village pour célébrer, pour se retrouver, histoire de réfléchir ensemble sur le développement du village. Voilà. Et donc, quel nom donner à cette fête? Nous sommes retournés dans le passé pour voir quelle est notre histoire. Mm. C'est là, je rejoins le menteur. Notre histoire nous dit que nous avons vécu deux exodes. Mm. Le premier, c'est l'exode du peuple Ewe qui a quitté les murs d'Agbogbo. Mm. Et nous, nos ancêtres se sont retrouvés à Haoté, au bord du fleuve Rao, ce qui a donné le nom Haoté. Voilà. Mais il s'est fait que leur emplacement, ils étaient assis sur du phosphate et du bon. Ce qui a poussé notre entreprise à l'époque Sotomib, qui est devenue... SNPT aujourd'hui. Et donc, ils ont dû se déplacer encore une deuxième fois pour laisser la place à l'exploitation des phosphates. Et aujourd'hui, le nom Haoté a connu deux exodes. C'est pourquoi ils ont choisi, nos grands frères ont choisi à l'époque de donner à la fête Hovezan parce que Rovin, Ohomi, va. On s'est déplacé. Donc, c'est le sens de la fête Rovin. Mm. Comme les gens de Tablibo l'appellent Rogbe. C'est pratiquement les mêmes choses. Okay. Oui. Alors, ça se passe quand et où plus précisément? Rovin, cette année, c'est à Haoté, le centre Haoté. Et nous avons commencé les manifestations, ça fait un mois, pratiquement deux mois. Le 1er juillet, nous avons lancé la fête. On a eu à faire des conférences
sur le thème « Filles et fils de, du canton, unissons-nous pour un développement durable ah ». Voilà. Nous avons eu à faire des manifestations folkloriques. Nous avons beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses au programme. Ce matin même, nous sortons juste de la caravane Rouvet pour se rappeler l'histoire. Le déplacement. Et ce soir, nous allons retourner à la source. La culture éveillée, c'est les chants. Nous avons beaucoup de griots à Haute qui vont chanter ce soir à partir de 18h. Wow. Demain, dans la matinée, entre 9h et midi, nous avons un concept que nous sommes en train d'élaborer maintenant, le Youth and Senior Show. C'est, aujourd'hui, nous vivons un conflit générationnel. Oui. Ceux qui ont plus de 50 ans pensent qu'ils sont sur la bonne voie. Mm-hmm. Les jeunes qui s'habillent en hip-hop pensent aussi qu'ils ont le droit de tout faire. Chacun a raison dans son camp. Oui. Nous voulons rassembler les deux là pour voir quel juste milieu trouver pour booster le développement de notre canton. Équilibre. Donc, c'est ce que nous allons faire demain matin. Dans la soirée, il y aura la retraite au flambeau. Nous allons sillonner encore le village, le canton. Et le samedi, c'est l'apothéose. À partir de 8h, nous commençons l'apothéose avec l'hymne national du Togo et tout ce qui va s'en suivre. À partir de 15h, nous avons lancé un tournoi qui a commencé depuis mai, qui va avoir son apothéose le samedi, à partir de 15h au stade du 2 février de Haute. Okay. Après là, le dimanche, il y a un pique-nique, un grand géant pique-nique qui va rassembler tout le monde. Je comprends maintenant l'absence d'Océane. Elle est déjà là-bas. Ah oui. Alors, Monsieur Kouemi, dites-nous, qui peut participer à cet événement et comment y participer, les contacts? OK, pour participer à Mauvais An 2023, la porte est grandement ouverte à tout le monde. Que tu sois de Haute ou pas, tout le monde est invité à Rouvaisan 2023. Et il n'y a pas de protocole. On se retrouve, on mange, on boit, on danse, on va au stade, on suit le match, on revient, on fait le bal le soir. On va danser aussi un peu. Et donc, tout le monde est invité. Mais en venant, si on se perd de route un peu, vous pouvez toutefois appeler le 92 40 37 94. Et vous serez indiqué. Merci à monsieur Adira Kouemivi Elias. Adika Kouemivi, voilà, j'ai écorché un peu votre nom. Monsieur Adika Kouemivi Elias, vous êtes le président du comité villageois de développement. Merci d'être passé dans cette émission. Voilà, on va venir fêter avec notre maman Océane. Donc, on sera chez vous pour la fête. Revaisant. Eve, on va se tourner vers nos derniers invités. Oui. Chers messieurs, on parle de Faune Pharma, votre pharmacie à votre portée. Faune Pharma, c'est quoi? Merci beaucoup. Faune Pharma, c'est une application mobile mise à la disposition de la population togolaise et qui va donc permettre de connaître la pharmacie la plus proche de soi où se trouvent les produits pharmaceutiques recherchés. Ah ouais. Ok. Et comment est-ce qu'il faut installer l'application sur le téléphone? Comment ça fonctionne? Oui, il faut bien sûr installer l'application. L'application est disponible sur Play Store. Il faut donc l'installer et dès que vous rentrez dans l'application, il y a d'abord la liste des pharmacies et leur emplacement. Il y a IDM, bar, IPM. Bon, en fait, on veut dire les informations sur la disponibilité des médicaments et les informations sur le prix des médicaments. Donc là-bas, il y a un champ à renseigner en vue d'avoir les informations nécessaires sur la disponibilité et le prix des médicaments. Et il y a également les pharmacies de
de garde qui sont consultables dans l'application. Alors, pourquoi Faune Farmant et qu'est-ce que vous apportez de meilleur, de nouveau à ces personnes-là qui nous suivent actuellement, à qui vous voulez quand même offrir vos services? Ok, pour cette question, je dirais que c'est d'abord quelque chose qui est personnel. Je dois même dire que je parie que chacun d'entre nous ici était confronté, ne serait-ce une seule fois, à la recherche infructueuse, à la recherche infructueuse d'un produit pharmaceutique, ouais, où il faut aller de pharmacie en pharmacie avant d'en trouver. Et donc, nous avons décidé de voir si le problème était réel au niveau de la population. Et donc, le sondage, les résultats du sondage ont corroboré vraiment que le problème est réel. Du coup, Faune Pharma vient donc pour aider la population à vite entrer en possession des produits pharmaceutiques recherchés. Dès que vous avez une ordonnance, dès qu'on vous prescrit un produit, l'application idéale pour retrouver la pharmacie proche de votre position où se trouve le produit, c'est Faune Pharma. Mais moi, je suis curieuse de savoir. Une application qui nous permet d'avoir les pharmacies en ligne, mais est-ce qu'il n'y a pas un service de livraison qui peut nous permettre justement d'avoir les produits à domicile une fois qu'ils sont commandés? Bonjour, le plateau. Bonjour. À cette question, oui, c'est vrai, nous avons déjà pensé à ça. Mm-hmm. Et nous sommes en train de travailler, étant donné qu'on ne peut pas s'étendre surtout en même temps. Donc, nous voulons commencer d'abord par les consultations. Et ensuite, avec le temps, nous allons toutefois emballer aussi la livraison dans notre projet. Sinon, c'est quelque chose qui est en perspective quand même. Alors, nous sommes avec M. Bali Edem Alfred, responsable de Faune Pharma, et M. Adjola, voilà, Adjola Ndi Pissant, directeur de communication. Une dernière question pour vous. Combien ça coûte d'utiliser Faune Pharma? Ok. Ça ne coûte pas cher. Oui. Sincèrement, nous avons pensé à tout ça. Il suffit de 200 francs seulement. Wow. Oui, 200 francs seulement. C'est vrai, ça n'a coûté rien. avec 200 francs, vous pouvez vous renseigner sur 5 produits déjà. 5 produits déjà sur Faune Pharma avec 200 francs. Ok, okay. Alors. J'ai 200 tout le mois, je peux l'utiliser tout le mois pour. Non, ce n'est pas dans la journée, ce n'est pas dans le mois non plus. C'est le nombre de fois que vous voulez consulter ou bien vous voulez vous renseigner sur des produits. Ah, okay. Voilà. D'accord. Alors, on va laisser un contact pour ceux qui aimeraient avoir plus d'informations en contact très rapidement. Voilà. Oui, un contact. Oui. Vous pouvez nous contacter déjà sur le 93 64 75. Voilà. 93 64 27 75. Voilà. Pour avoir plus d'informations sur Faune Pharma, on remercie tous ceux qui ont fait voilà. Un je mot. Je voulais aussi ajouter que nous avons des pages YouTube, Facebook, Twitter. Et donc, déjà sur ces pages aussi, vous pouvez trouver toutes les informations et aussi un tutoriel qui vous apprend comment utiliser l'application Faune Pharma. Merci. Merci beaucoup à M. Bali Edem, M. Adjola Ndi Pissa, mais également à M. Adika Kwame Elias, nos derniers invités sur cette émission. On remercie également toute la production. Merci d'avoir fait cette émission avec nous. Merci à Menteur Ambulant d'avoir été avec nous. On se retrouve demain pour le dernier numéro de l'émission La Pause de cette semaine avec spécialement la pause slam. À demain et bonne journée à tous. Merci.